Allô? Ici Christian. Non, ce soir je ne peux pas. Je passe la soirée avec Papan. Ou alors après dîner. Alors que tu veux, mon amour. C'est qui encore? Mais va ouvrir, tu verras bien. Mais tu te crois à Naples? Si tu veux que ton portrait de l'allure, faut étoffer un peu le tableau. Mais avec tous ces gens qui passent ici, comment veux-tu que je travaille? Oui, d'accord. Vers minuit. J'ai un conseil à te demander, c'est à propos de René Dimanche. Tu m'y feras penser? Mais non, je serai pas en retard. Disons minuit et demi, alors. Ok. Bye bye, love. Tu as vu dans le monde le papier de Martine sur René Dimanche? Non. Cette manie des comparatifs. Après, elle s'étonne que ça fasse des drames. Tu veux de l'orangeade? Oui. Papan, il reste de l'orangeade? Au frigidaire. Au réfrigérateur, maman chérie. Vous voulez que j'aille? Oh non, non, calmez plutôt Christian. Il est d'une indécision. C'est dément. Réfrigérateur, c'est d'un snob. Je ne comprends pas comment fait Christian pour employer des mots de la génération de mon père. De mon grand-père, même. Oh, on a vu pire. Hein? Oh, on est bien sur ta terrasse. Oui, on serait mieux sans ce torchon napolitain. Ça n'a l'air de rien, écrire deux recettes chaque semaine, mais moi, ça me vide complètement. Il ne reste que de la bleuade. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la spécialité de la maison. Va pour la spécialité de la maison. Ça va mieux. Alors, je réponds à ta question. Mais d'abord, je te signale que tu ne m'as pas dit bonjour, ma fille. Je n'ai pas encore lu le papier de Martine, mais je ne suis pas descendu de la journée, tu comprends? Tu sais, on m'a proposé un magazine américain Shapes and Colors. M'a demandé par l'intermédiaire d'Ernie Node. Qui? Ernie Node. Ooh. De faire un interview de René Dimanche. Tu ne vas pas faire la fine bouche. Bah, c'est lui qui signerait, c'est pas moi. Pourquoi il ne fait pas lui-même? Enregistrer, décrypter, taper, retranscrire, tout ça l'emmerde. Il est allergique aux appareils. Mmh. Non, si je fais ça, c'est pour Papan. Mmh. Ah, tu as eu mon message. Le papier de Martine. Ah. Le peintre du vide. Les broussailles, elle appelle ça du vide. Tiens, donne-moi un verre de vide. Non, je parle avec ma... Mamie Chouibi qui est près de moi, oui. Voilà. Mon verre est plein de vide. Et Papan vient d'étendre du vide sur une ficelle. Non, mais... C'est comme si elle disait que je passais mon temps à interviewer le vide. Ça vaudrait le coup de se poser la question. Lis-moi vide la suite. Ouais. Totalement vide. Tu penses que je devrais faire cette interview avec René Dimanche? C'est très bien payé, mais c'est Ernie qui signerait. Tu es contre? Évidemment, ce serait un coup pour rien. Sauf si à Beaubourg, ils apprennent que c'est moi qui l'ai fait. Un ou une interview? Tu ne sais pas. Dans ce cas-là, je garde le double, étant donné qu'en américain, avec la traduction et le rewriting, ce serait méconnaissable. Je peux le repasser ici. Dans le programme de Beaubourg. Ce serait bien, et là, je pourrais le signer. Non, ça, je sais pas s'il y aura autant de monde qu'à Dali, mais enfin... Ah ben, tout de même. René Dimanche, c'est une star de la peinture, tu ne trouves pas? Presque une star. Moi qui n'y connais rien en peinture, je le connais. Béatrice Mamie Chouibi dit qu'elle qui n'y connaît rien en peinture, elle le connaît, René Dimanche. Tu le sais qu'il peint des broussailles? Ma culture ne va pas jusque-là. Non, ça, les broussailles, c'est moins connu. Le ptalidon? Oui. Je demanderai à mon frère une ordonnance. Oui. Rappelle-moi après-demain. Tada! Et toi, ça va? Pas terrible. Henri a fait une tentative de suicide hier en fin d'après-midi. Il est à l'hôpital. Brousset?
Non, pourquoi? À cause des broussailles. Il s'en est sorti, mais j'ai de plus en plus peur. C'est affreux. Il y a de plus en plus de gens qui se suicident. C'est un peu de ma faute. Il y avait un débat feuilleton à la télévision sur les 50 ou 60 façons d'accommoder les courgettes que je tenais à suivre. Alors, pour être sûre de ne pas le rater, j'avais mis le journal. Alors, toutes ces catastrophes et ces tueries... Pourtant, il ne voyait pas les images, il travaillait dans son bureau. Je ne me suis pas méfiée. Oh, si on se met à faire attention à tout ça... Tu veux encore un verre de vide? De vide? Oui, c'est la marque de cette bleuade. Non, merci. Je voudrais passer à l'hôpital avant de rentrer à la maison. La journée a été belle. Tu devrais mettre un chandail, il commence à faire frais. Elle me plaît bien, cette fille-là. Pas autant qu'Ingrid. Oh, c'est pas le même genre. Elle est pas bête, mais elle manque d'humour. Qu'est-ce que ça peut faire? Oh, ben, elle en a plus qu'Ingrid. Ça dépend ce que tu entends par humour. Oh, ben, tout le monde comprend ça, il n'y a pas besoin de définition. Justement, c'est évident qu'Ingrid, dans son manque d'humour, évident lui aussi, en a néanmoins plus que Béatrice. C'est malin. Je pense que demain, j'irai à l'exposition Évariste Blanchard. Oh, celui-là avec ses grandes lignes, toujours pareil. C'est drôle, Évariste Blanchard. On dirait un pseudonyme. Mais c'est un pseudonyme. Son vrai nom, c'est Mondain ou quelque chose comme ça. C'est terni. Prépare une assiette pour ton ami. Elle est là. Quelle fatigue. Il reste encore un petit peu de tarte. Enfin, c'est pas parce qu'il en reste. Vous préférez peut-être un fruit? Chardin m'a dégoûté des fruits. Ah, alors, un morceau de tarte. Cette tarte est exquise. J'ai un bon pâtissier. Vous avez une chance d'habiter ici. Je pense que pour Christian... Je connais assez bien l'œuvre de René Dimanche. J'ai même le catalogue presque à jour de ses œuvres. Mais je manque de documentation sur la période montagne. Servez-vous du livre d'Anuin. Il est très complet. Cependant, il présente la même lacune que les autres. Sur les 8 années qui précèdent la période de broussailles, sur cette fameuse période de silence où René Dimanche ne faisait rien, strictement rien, pas la moindre esquisse, voyez-vous, il n'est pas beaucoup plus avancé que les autres. Il pense qu'il y aurait une femme qu'il aurait brusquement quittée. Ce serait trop simple. Mais dans leur livre, Gizik Femme et Fanette Manzig ne veulent pas donner l'interprétation à cette période de silence. Quel livre? Vos couleurs ou les voix de la peinture? Quoi? Vos couleurs ou les voix de la peinture? Vous savez, les lettres ouvertes aux grands peintres de notre époque. Joli coup publicitaire. De quel droit ce monsieur et cette dame se croient-ils investis pour avoir la prétention de révéler aux peintres ce qu'ils ont voulu mettre dans leur toile, à partir des influences qu'ils ont subies des grands peintres du passé? Ne perdez donc pas votre temps. Servez-vous du Anuin. Mais sachez que René Dimanche est très susceptible. Cette thèse de la déception amoureuse le rend absolument furieux. Alors soyez prudent, ne parlez pas de moi. J'ai trop cité Anuin dans mes articles. Il se méfierait. Il y a eu un échange de lettres avec Shapes and Colors. Finalement, on lui a télégraphié qu'un jeune critique de Paris, sérieux, etc., se rendrait chez lui pour l'interviewer. Par ailleurs, je me suis arrangé. Vous pourrez signer l'interview. Vous pourrez même écrire le texte de présentation. Mais je vais vous demander quelque chose. Vous savez que je prépare depuis bientôt 5 ans une somme critique sur l'œuvre peinte de René Dimanche. Je parle de ses tout premiers portraits pour aller jusqu'aux broussailles, en passant par la période montagne avec les fleurs, les arbustes, les oiseaux. J'ai décidé d'avancer très prudemment. J'ai adopté l'ordre chronologique pour ne pas fausser les perspectives, bien que cela pourrait paraître audacieux à certains. Je souhaite d'une part que vous me fassiez lire ou entendre ce qu'il vous aura dit sur cette période de silence où il n'a rien créé. Et d'autre part que vous me promettiez de ne rien mettre de tout cela dans l'article de Shapes and Colors. Oui, oui. Alors vous acceptez? Oui. Ben oui, quoi. Bon, tenez-moi au courant et bonsoir. Comment tu le trouves?
Je réserve mon jugement. Ces mecs qui viennent juste ici pour dire ce qu'ils ont besoin de dire. Bah, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je sais pas, moi, s'ils trouvent qu'on est si bien ici, ils pourraient faire semblant de rester un peu. D'apprécier. Ta conversation. Oh, dis-le, pour ce que tu as trouvé à lui dire. Tu viens me masser. Hier, un fou a essayé de crever un Magritte. Mais le Mosca n'a rien vu. Cet œil électronique, c'est de la blague s'il n'y a personne derrière. Heureusement que son mari était dans la librairie. J'avais peur que ce soit un fou dangereux. Son mari n'a pas voulu appeler la police. Le type pleurait. En partant, il a trouvé le moyen d'insulter Mme Mosca. Tu viens me masser. Ta tendresse cache un grand égoïsme. J'adore quand tu me masses. Par contre, tu masses. Ne parlons pas de ta sensualité. Entre ça et baiser, je ne sais pas ce qui te manquerait le plus. Continue, j'adore. Non, j'ai mal au doigt. Alors, tu comptes jusqu'à 30 et après tu recommences. Ah ! Tu vois bien que j'ai mal au doigt, mais tu t'en fous. Non, pas si tu peux plus me masser. Je dois passer par Talismandic. Very funny. Écoute, Ingrid, je vais chez René dimanche à 17h. Je tiens à avoir les idées en place pour l'interviewer. Alors, je te demande gentiment, s'il te plaît, de me masser. Ok? Tu pouvais te donner une petite esquisse? Personnellement, ça peinture. Si tu voulais bien m'aider à trouver le morceau qui manque, je te ferai un bon massage. C'est promis. Vis-à-vis de Mme Mosca, ce serait bien si je pouvais accrocher un... René dimanche à sa galerie. Comprends-tu? T'es naïve, ma fille. C'est plus le genre de la maison. Si tu veux recoller les morceaux, remue-toi. Ah! Ingrid est partie à la galerie. Non, non, Christian. Guy arrive derrière moi. Tiens, nous avons aperçu Ingrid. Elle sautait dans l'autobus. Salut, Christian. Bravo, c'est dans le monde. Quoi? De Lucrèce à René Dimanche. Au mois de juin, Guy Ziegfarm se rendra aux USA pour donner une série de conférences sur la peinture moderne de Salvador Dali à René Dimanche. L'auteur de Vos couleurs ou les voies de la peinture sera édité par la revue américaine Shapes and Colors, qui présentera, entre autres, le texte de ses conférences en version bilingue. Tandis que Fanette Manzik, sa fidèle collaboratrice et auteur de Le flux des influences, aller-retour, reprendra à la Sorbonne Paris 1 son cours sur les peintres et leurs influences. Il portera cette année sur le rôle joué par la hantise de Lucrèce et de Léonard de Vinci dans la peinture de René Dimanche. Alors tu vas être dans Shapes and Colors. Oui, j'ai reçu une lettre de Casella. Charmante et pleine de compliments. Il n'a jamais vu un théoricien aussi jeune et si brillant, dit-il dans sa lettre. Et il a voyagé. Il m'offre les colonnes de sa revue et fait en ce moment traduire nos livres. Mais je me méfie tout de même de son éclectisme. J'ai d'ailleurs appris qu'il avait contacté cet imbécile d'Herninode. Qui, parce qu'il a 15 ans de plus que nous, connaît mieux la peinture, dit-il. C'est un exemple parfait de sclérose universitaire. Et Casella est comme tous les Américains, il juge la situation française sur les titres et sur les réputations. Tu aurais tort de t'en plaindre. Je ne m'en plains pas, je constate. Tu verras du paysage, je folâtrerai dans le temps. Tu crois que René Dimanche est hanté par la Joconde? Mes cours sont ouverts à tout le monde. Sauf à moi.
Évidemment. Je ne pourrais pas te fantasmer comme un auditeur. Et moi, tu me fantasmerais comment? Comme un amateur, éclairé. Je vais faire du café. On épluchera les journaux après. Ça vous ennuierait que je jette un petit coup d'œil sur vos dernières toiles pour voir où elles en sont? Oui. Une toile pas finie est obscène. Je comprends. Vous avez l'intention de continuer à peindre des broussailles? Tant qu'il y aurait des broussailles. Vous êtes en quête de perfection. Vous n'avez pas de questions plus pertinentes. Pensez-vous déjà à une nouvelle période? Je déteste prévoir. Vous m'avez parlé de vos premières expériences, de l'influence persistante de Cézanne, de l'étude systématique de la nature, de votre période montagne avec les fleurs, les arbustes, les oiseaux, de la cèse que constitue la période broussaille. Ah, quelle impression ressentez-vous dans le fait d'être découvert par les USA? Je veux dire, aussi tardivement dans votre carrière. C'est Beaubourg qui vous a réveillé. Mais mon vieux, presque toutes mes toiles ont été achetées par des Américains. Il y a belle lurette que je suis connu à New York. La France se prend pour la belle au bord dormant. Si elle attend que Beaubourg lui donne le là. C'était pas ce que je voulais dire. Non, évidemment. Mais j'aurais voulu vous poser une dernière question que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure. Je me suis demandé, et je voudrais vous demander, si votre période de 8 années de silence est le résultat d'une décision esthétique? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce le besoin de méditer sur la peinture qui vous a empêché de peindre? Vous n'avez, paraît-il, absolument rien peint ni dessiné, pas la moindre esquisse. Où voulez-vous en venir? J'ai lu dans... Unwin. J'en étais sûr, vous avez lu Unwin. Et comme Herninod, comme Guy Sigefam, comme tous les autres, vous croyez que... Mais Herninod ne croit vous pas vous que... Vous voyez? J'en étais sûr. Fichez-moi le camp, vous aussi. J'aime mieux que mes toiles n'entendent pas ce que vous pourriez dire. Bonjour. Ouf. Enfin, Madame Roscal s'est décidée à admettre René Dimanche dans son panthéon. Vous avez vu celui qui est là, dans la Maison Verte? Non. Comment? Vous n'avez pas encore vu la fauvette en été? Non, vous savez, avec le travail que j'ai... Extraordinaire. René Dimanche est allé encore plus loin que dans la Sylvie de 72 qui se trouve à New York. Moi, franchement, la série des oiseaux... Vous vous rangez donc du côté des sceptiques de Milan et de Boston? Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que la période montagne va moins loin que la période broussaille. Vous connaissez ma devise. La connaissance passe... Par l'objectivité, c'est-à-dire par l'examen minutieux de toutes les phases successives de l'évolution d'un artiste. De la création. De la création d'un artiste et de sa position par rapport à son époque. Concluez donc pour vous-même. Il faut voir et revoir cette fauvette. Étrange, très étrange. Cet oiseau a quelque chose de féminin. Je me demande s'il n'y a pas un lien entre cet oiseau, la Sylvie, qu'il s'est acharné à peindre, et cette femme qu'il a brusquement quittée, qu'il a plongée dans le silence et qui s'appelait justement Sylvie. Il me semble qu'il y a là peut-être une piste. Je vais soulever le lièvre dans Shapes and Colors. Je suis certain que cela va passionner Franco Fiat Casella.
faites donc allusion dans votre article sur cette femme, la Sylvie. Vous avez pris date pour l'interview. Oui, on avait dit à la fin de la semaine. Bien, bien, mais le temps passe vite. Sur cette femme, la Sylvie, on sait deux choses extrêmement précieuses. Qu'elle était d'extraction humble, et que, pour un oui, pour un non, il s'évanouissait. Jusqu'au jour où elle s'est totalement évanouie dans la nature. Monsieur, je suis désolée. Notre Magritte s'est envolée hier après-midi pour New York. Nous l'avons prêtée pour une exposition. Madame Orska ne m'en a hier pas parlé. Oh, c'est vraiment très navrant. Je m'étais bien juré de l'acheter aujourd'hui pour l'offrir à ma sœur dont l'anniversaire tombe justement dans une semaine, le 13 juillet. Elle réside à Angoulême, elle a un grand salon, très clair et plein de charme, où elle m'a fait la réflexion un jour, oh, sans arrière-pensée, qu'un Magritte s'y trouverait très bien. C'est vraiment très navrant. Au revoir, madame. Que voulez-vous? La fauvette me rappelle. Dis-moi ce que tu as à me dire. Rien, je venais te faire une petite visite. Avec René Dimanche, c'est râpé, il m'a chassé. Il n'y a que toi qui peux me sortir de là. Tu viens ce soir? Non, je suis fatiguée. Alors téléphone-moi, moi je t'expliquerai plus longuement. Il faut que je sache, coûte que coûte, le secret de cette maudite période de silence. Va chez René Dimanche, invente n'importe quoi, mais intéresse-le. Et retire ce noir qui te va sur le nez. C'est le genre de choses qui risquent de l'indisposer. Je vais téléphoner à Gizik Farm. On ira déjeuner chez eux pour qu'ils te parlent de René Dimanche et de sa peinture. Il est 1h05. N'étais pas obligé d'inviter Ingrid, en plus avec mes valises à faire. C'est lui qui me l'a demandé. Il aimerait qu'on parle devant elle de René Dimanche. Elle n'a qu'à lire vos couleurs. Je te rappelle que c'est épuisé. Et même que c'est introuvable. Ça m'étonnerait que Christian ne l'ait pas chez lui. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas irréprochables. Nous n'avons guère à l'époque fait grand cas des 8 Sylvie. Et Ingrid s'est entichée de la série des oiseaux qu'elle vient juste, paraît-il, de découvrir il y a quelques jours dans le livre de je ne sais plus qui. Sans doute un win. Oh, enfin. Bonjour Christian. Hello. Bonjour Ingrid. Bonjour Fanette. Nous passons à Tam. Le gigot n'attend pas et qui a encore un tas de choses à faire. Plus un texte à préparer. Pour Beaubourg. On commence par le dessert, j'adore ça. Ça a l'air bon. Puis-je vous demander ce que c'est? Une tarte aux lentilles broyées. Ça existe. Mais oui. Je vous sers? Volontiers. Et comme toutes les recettes de Mamie Chouibi, c'est très facile à faire. Il faut juste avoir le courage de broyer les lentilles. Fanette me dit que vous avez été très impressionnée par les Sylvie de René Dimanche. Oh, n'exagérons rien. Ne vous fiez pas trop aux reproductions. Oh. Avec Madame Orska, je suis de bonne école. Justement, elle a chez elle en ce moment une toile extraordinaire intitulée Fauvette en été. C'est cette toile qui a donné à Ingrid envie de connaître mieux René Dimanche et sa peinture. Demandez donc à Christian de vous emmener chez lui sous le prétexte d'une interview. Tu sembles avoir oublié qu'il a un caractère de chien. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Excusez-moi, l'irascibilité des créateurs m'a toujours fait rire. Tout cela ne m'empêche pas d'écrire ce que j'écris. Tu vois, ça fait 5 ans que je les connais. Je suis incapable de lire leurs livres. Hein? Cela n'a aucune espèce d'importance car nous sommes très amis. Eh bien, c'est le principal.
Puisque son téléphone ne répond pas, il finira bien par arriver. Je l'attends de pied ferme. Monsieur, excusez mon intrusion. Je risque de prendre sur votre temps. Je sais que vous êtes René dimanche. J'aimerais vous parler. Je dois vous l'avouer dès maintenant. Je connais mal votre œuvre. Pardonnez-moi si je la connais suffisamment. Mais je connais vos tableaux qui en faisant des broussailles. Et j'ai une vive admiration pour l'homme qui se cache derrière toutes ces toiles. Vous êtes curieuse. Oh, monsieur. Enfin, je veux dire étrange. Ah, je suis une femme, tout ce qui est le plus ordinaire. Ma vie a été étrange. Mais je fais partie de ces femmes qu'on ne remarque pas. Je n'ai jamais eu d'ambition. On en a toujours une. Vous croyez? J'en suis sûr. Croyez ce que vous voulez. Alors je suis passée à côté sans le savoir. Oh, ne partez pas, s'il vous plaît. Mais c'est du travail. Je sais, mais c'est plus fort que moi. Vous voulez une interview ou quoi? Une interview? Mais il ne s'agit pas de ça. Je dois vous dire, j'écris des poèmes que je ne cherche pas à publier. Ce sont des réflexions personnelles, en vers. Enfin, je veux dire, avec des rimes. À propos d'œuvres qui me sont chères, qui me remplissent de bonheur. Hier, j'ai commencé à écrire un sonnet pour exprimer toute l'admiration que j'éprouve quand je contemple votre triptyque des buissons d'aubépine. Et ce n'est pas un triptyque. Ce sont trois toiles parfaitement indépendantes. Oh, rassurez-vous, je ne mettrai pas ce mot-là. Bon. Faites donc ce que vous voulez. Oh. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Oh. Ce n'est rien, je suis au bout de force. Vous voulez vous reposer chez moi quelques minutes? Oui, je veux bien. Oscar ne devrait pas boire à ce point-là. Si mal Mosca voyait cela. Alors, tu ne me téléphones pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas me voir? Est-ce que tu as vu René dimanche? Je m'occupe de toi. Arrête de faire des mystères, sois clair. Je pars avec lui pendant 2 jours près d'Amiens. Il va étudier une plante sauvage ou quelque chose comme ça dont je ne connais pas le nom. Mais le temps que ça va prendre... René me dira tout, j'en suis sûr. Beau. Couleur. Ouh. Les. Voix. Blanc. Peinture. Tu crois que c'est utile? Guy n'en fait pas, lui. Guy ne fait pas tout ce que tu fais. Il va pleuvoir. C'est la petite pluie d'Abbeville. Tu as trop lu Ruskin. Non, j'ai entendu ce matin à la radio qu'il pleuvait sur Abbeville. Je vais m'habiller. Si le téléphone sonne, tu ne réponds pas. Tant, 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 tant.
Ça manque de corps. Quoi? C'est trop liquide. Ouais. C'est lui qui t'a fait hier, avec plus de goût. Je te parle de la consistance, pas du goût. Je me demande parfois ce que t'as dans la tête, Jersey. C'est nouveau. Chacun sa nouveauté. Tu me déçois. Je te surprends. Tu ne me surprends pas. Il y a tout de même des femmes qui aiment parler avec moi. Ça n'enlève pas la déception. Oh, légère. Tu devrais aller voir Henri à l'hôpital. Tout ce que tu me demandes, je fais. Jersey, je sens une pointe de dépit. Pas du tout. Attention, la tristesse, je ne dis pas, mais l'amertume. J'attends une amie. La voilà. La personne que je viens de croiser, c'est bien un acteur. Vous ne croyez pas si bien dire. Je ne me trompe pas, hein? Non, non, c'est un acteur. Sans travail, mais c'est un acteur. Asseyez-vous, je finis ce que je fais. Merci. Alors, le portrait de Christian, vous avancez? Lentement. Parce qu'il faut que j'aille chez lui, monsieur ne veut pas venir chez moi. Et quand je le trouve, la terrasse, le salon, la terrasse, le salon... Je serai contente le jour où je le verrai se stabiliser un peu. Vous savez, aujourd'hui... J'essaie de le pousser vers Beaubourg. Et comme avec Arninaud, il va avoir du travail. Le fameux Arninaud. Ben dites, dans les milieux universitaires, il est connu. Puisqu'il y a une revue américaine qui lui a demandé des articles. Avec son livre, il va paraître bientôt. Et Christian n'est pas étranger à la réussite de ce livre. Ah bon? Oui, il a réussi à faire dire à René Dimanche pourquoi il n'avait pas peint pendant 8 ans, alors que tout le monde séchait là-dessus. Faut le faire. Sa décontraction est une grande force. Vous trouvez, hein? Mais vous n'en manquez pas. Oui. Si, si, je pense que dans la vie, il faut conjuguer ses forces. Vous entendez bien avec Christian? Ah oui. Et puis, il a pas mal d'humour. Dieu merci. Vous voulez boire quelque chose? Du café? Du thé? Non, non, merci. Vous vouliez me parler de quelque chose? Oh, mais ce n'était pas très important. Mais c'est affreux, comme depuis quelque temps, je perds la mémoire. Ce n'est pas l'âge. J'ai une vieille amie, la tante Miloune, de 85 ans. Elle se rappelle de tout. Elle n'a jamais rien noté sur des carnets ou sur des papiers. Ça va vous revenir. Oh, c'est bête. Chaque fois, je me dis, il faut que je note. Je regrette. En plus, vous aviez une visite. Je vous ai interrompu. Pas du tout, je vous attendais. Oui. Je vais vous faire une confidence avant de partir. Vous qui le connaissez depuis longtemps, je peux? J'aimerais que Christian se marie. Ah bon? Si, si, son frère médecin a fait un très beau mariage. Sa femme est adorable et jolie. Au revoir. Et excusez ma pauvreté. Au revoir, madame. N'hésitez pas à me téléphoner. Paris est encore une belle ville, mais plus pour très longtemps. Impossible d'aller à l'hôpital. J'avais besoin de réfléchir. Je ne comprends pas comment les acteurs français ne se révoltent pas. Quand ils jouent, ils oublient ce qu'ils ne jouent pas. Et quand ils ne jouent pas, ils baissent les bras. Confort et résignation, c'est la devise des Français. Tu simplifies? Il me semble que tu oublies mes 68. Un joli passé. Regard Henri, Luisette, Isabelle ou Pierre. Aujourd'hui, c'est le suicide. Ou bien un job dans la publicité. Tu compares deux choses qui ne se comparent pas, ou alors comparons avec la Pologne. Non, tu perdrais. Je ne vais pas te perdre. Où tu en es avec tes recettes? Ça avance. Allez, viens. Pourquoi pas?
impressionnant. C'est beau. Tu regardes encore les fleurs? Naturellement. Il n'est pas impossible que j'y revienne. Sauvages, je les aime encore. Tu vois, je ne sais plus si c'est Delacroix ou Corot, mais peindre des paysages de dos, c'est un truc du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est ridicule. Il y a tellement de plantes. C'est comme les langues étrangères. Pourquoi s'en plaindre ou chercher à en faire des paysages? René, tu n'entends rien? Non. Bah, si, des oiseaux, le vent. Non, mais comme des pas d'hommes derrière nous. Ça arrive. Mais j'avais l'impression que nous étions suivis. Tu ne connais pas la nature. Il y a tout le temps des animaux qui passent. Peut-être. Tout à l'heure, j'ai vu un écureuil, un petit lapin. Toi, tu ne les avais même pas aperçus. C'est vrai, je l'avoue. Tu vois?
J'ai peint beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Des rouges-gorges, des mésanges, des fauvettes. Et 8 Sylvies. Ouais, parfaitement. 8 Sylvies. Ensuite, je me suis arrêté. Plusieurs années avant d'étudier les plantes sauvages. Qui m'oblige à lier plus étroitement la ligne avec la couleur. Vous êtes bien monsieur Hanska? C'est moi. Je suis la jeune étudiante de l'annonce, Josette Leduc. Je m'assieds? Fort bien. Quelle formation avez-vous? J'ai fait un stage dans plusieurs librairies et l'année dernière, j'ai suivi les cours d'esthétique de Fanette Manzik. De qui? De madame Fanette Manzik. C'est l'auteur du flux des influences aller-retour. Ah oui, bien sûr, la plaquette blanche éditée chez Michel Guillaume. Remarquez, je préfère ce qu'elle a écrit avec Guy Sigfam. N'y voyez aucune misogynie de ma part. Ce sont eux qui ont eu cette idée forte, et tout à fait paradoxale, que les fils valent au moins autant que les pères. Vous me direz qu'il y a des exceptions. Alexandre Dumas ou Jean-Sébastien Bach. On peut peut-être aussi l'entendre symboliquement. Ainsi, Schubert inhibé par Beethoven, ou Bruckner par Wagner. Il n'y a pourtant pas de quoi. Pour qui? Pour Schubert ou pour Bruckner? Pour les deux. Mais vous n'êtes pas venu, je suppose, pour que nous discutions des mérites comparés des fils et des pères. Que je trouve cela très passionnant. Nous aurons tout le temps pour ça. 3 200 par mois, ça vous convient? Oui. 10h, 13h et 14h, 19h. Nous fermons bien sûr le dimanche et le mardi. Comme les musées. C'est ça. Alors, ça vous va? Très bien. À lundi prochain. Vous vous appelez? Josette Leduc. Très bien. Excusez-moi, Josette, mais j'attends une visite. Dieu merci, les livres sur la peinture se vendent bien. Fanette? 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 J'ai envie de te voler un baiser. Mais sois tranquille. Oh, c'est le retour de Guy? Qui te met de cette humeur? Je suis de l'humeur qui me plaît. Tu pourrais me téléphoner ou passer me voir. Tu as peur de Guy? Pas du tout.
Ne me dis pas que tu n'as plus envie de moi, je ne te croirai pas. Observons une trêve de quelques jours, au moins. Trêve de plaisanterie. Quand est-ce que tu viens me voir? Oh, est-ce que tu peux être agressive, ma fille? Mister? Yes. Where's the René Dimanche? C'est par là, mon vieux. Thanks. Que tu sois limité en amour. Moi? Oui, toi. Que tu sois limité avec le temps, on peut penser que ça s'arrangera. Mais ce qui n'a pas l'air de s'arranger avec le temps, c'est ton obsession de clarté. Tes coups en dessous. Et ton besoin maladif de tout vouloir mettre toujours noir sur blanc. De tout vouloir expliquer. Tu comprends, ça ne va pas ensemble. On a beau aimer la dialectique, il y a des moments où on a envie de souffler. Moi, je préfère les nuances. Mais puisque tu veux des explications, je te signale que Guy est à côté, dans la maison verte, en train de regarder la fauvette en été. Entre parenthèses, je n'ai pas eu besoin de passer des heures pour lui expliquer en quoi cette toile est décevante. Passons. Il peut sortir d'une minute à l'autre. Je te signale d'autre part que nous ne nous sommes pas vus depuis 2 semaines. Any explanation? Very funny. Ma reine. Oh, je ne suis plus ta reine. Ça veut dire quoi? Tu m'as fait rencontrer un être extraordinaire. René Dimanche. Nous avons parlé de 1000 choses merveilleuses. Je n'ai pas pu lui poser ta question. J'aurais eu l'impression de trahir sa confiance. Là, tu exagères. Ça a été... Oh, c'est bien simple, je ne trouve pas de mots. Peu importe. Mais c'est fini avec René. Écoute, je ne peux pas te parler maintenant. Voyons-nous en terrain neutre. Où tu voudras, n'importe où, dans un café, je ne sais pas. Bien, bien. N'essaie pas de venir chez moi. Nous deux, c'est fini, tu comprends? Après ce qui m'est arrivé, je t'expliquerai. Écoute, téléphone-moi, même ce soir si tu veux. Mais maintenant, il faut que je monte, j'ai un acheteur et Madame Oscar est en voyage. Au revoir. Couleur, mais forme. Fanette. Alors? Guy. Une couleur décapée. Sèche. Absolue. Mais les formes dans leur ensemble trahissent une défaillance inexplicable. Tu vois qu'il s'est trouvé dans les broussailles. Guy, bonjour tout de même. Déçu par New York? Tu es loin du compte. Mais encore. Et toi? Oh, rien de particulier. Quelques interviews par-ci par-là pour la revue. Sans grand intérêt. Du côté de René Dimanche? Non, non. Ce n'est pas ce qu'on dit à New York. Ben, ça prouve que l'Atlantique est mauvais conducteur. Franco Fiat Casella, qui m'a reçu plus d'une fois dans son loft, m'a fait il y a 2 soirs lire cet entretien. Sam, c'est toi qui as donné l'idée à Ingrid, le jour où elle est venue déjeuner avec moi à la veille de ton départ. Je te fais remarquer, premièrement, que tu t'accuses toi-même, deuxièmement, que tu te défends par un mensonge. C'était préparé de longue date, ce travail en sous-main avec Erninaud. J'estime que tu nous as trahis, Fanette et moi. Tu es contre nous et contre tout ce que nous représentons, puisque tu es du côté d'Erninaud. Tu es tout à fait à ta place dans le monde de la peinture. Enfin, tu ne peux pas me demander de ne pas voir Erninaud.
Je ne te demande rien, mais des coups en traître comme celui de Shapes and Colors, c'est intolérable. On pourrait peut-être parler de choses un peu plus réjouissantes. Notre Ingrid est au mieux avec René Dimanche. Allez, serrez-vous la main. Oh, mais c'est idiot. Ça, c'est exclu. Fanette, nous partons. Christian, tu es libre. Vous n'êtes donc jamais chez vous? Ça fait 3 jours que je vous appelle. J'arrive à la dernière partie de mon livre, je suis très inquiet. Dans votre entretien, je ne trouve rien sur la période de silence. La page a dû glisser, je vérifierai chez moi, j'ai le double. Je vais revoir la fauvette. Vous restez là? Non, je dois partir. Avec Guy Sigpam et Fenet Manzig? Horresco reference. Je sais qu'ils viendront le 26 à ma soutenance de thèse. Je sais qu'ils vont se mettre au troisième rang pour me provoquer et je ne peux rien contre. Même un clochard a le droit de venir. Et l'entretien, qu'est-ce que vous en pensez? Discutable. Par contre, je trouve votre texte de présentation dans Shapes and Colors très bon. Un peu succinct, peut-être. Mais ne vous en faites pas, personne ne lit. Et puis mes compatriotes, depuis longtemps, je... Enfin, comme vous dites vous autres Français, je me comprends. Alors soyez gentils, appelez-moi ce soir. Oui. Sans faute. Oui, oui. Shapes and colors. Shapes and colors. Forme, couleur. S'il s'est arrêté de peindre, c'est pour rétablir l'équilibre. C'est comme moi. Quand j'étais bon en algèbre et mauvais en géométrie, je me suis mis à travailler et je suis devenu bon en maths. Mais là, voilà la clé de son silence. Allez, hop, c'est réglé. Non, je l'appellerai ce soir, c'est plus prudent. Qu'est-ce qui t'est donc arrivé? Ça fait combien de temps que je t'avais pas parlé de Francis? Je ne sais pas. Si, je sais. Tu as prononcé son nom une nuit. La dernière nuit que nous avons passée ensemble, avant que tu partes avec René Dimanche. Eh bien, j'ai retrouvé son père. Pendant que René dessinait, j'étais partie sur un petit chemin. Il faisait très doux. J'avais l'impression de marcher dans un désert. Un désert de nuages. Je voulais moi aussi m'isoler dans le silence. Je marchais. Je laissais le monde autour de moi. Ces bruits incessants. Ces horreurs. Toutes ces horreurs dont on parle. Je me sentais délivrée, enfin. Tu sais, quand je dis que je n'ai plus droit qu'à des ombres, eh bien là, c'était fini. Je ne le sentais plus du tout. Je marchais heureuse. Oh, je peux te l'avouer, avec René, ça a été le bonheur aussi. Mais là, c'était plus encore. Pourquoi suis-je allée vers ce blockhaus? Fallait-il que je retrouve le père de mon fils? Saint-Rouf? Ton colonel? Oui. Lui qui m'a rendue si malheureuse. Moi qui étais si heureuse avec lui. La mort de mon fils a été la fin d'une histoire
qui aurait pu durer toute une vie. Tu as vécu d'autres histoires. Tu en vivras d'autres. Tu as refait ta vie. Tu ne parles plus de Francis que dans tes rêves. Tu arrives tout de même à vivre. Tu n'as pas à te punir. Évite de voir des coïncidences partout. Ce qui est fini est fini. Vis dans le présent maintenant. Je ne sais pas. Quelle chaleur. J'espère au moins que le buffet sera correct. Vous n'avez pas à grignoter. Emmanuel, il n'y a pas que ça à faire. Va chercher une caisse de champagne, s'il te plaît. On a le temps. Je préfère servir. Oh. Pour le monde qu'il y a. Je vais voir ce qu'il y a à boire. Ben, moi aussi. Que de livres. Que de livres. Excusez-moi un instant. Messagère des arts. Pas mal. Je vais me reposer. Tu crois qu'il y en a assez de champagne? C'est qui déjà? Un espion du fisc. Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Pardon? Faites votre métier, mon vieux, mais au moins, ayez la décence de ne pas parler. Voyons. Il paraît que tu as écrit un texte très bien pour Shapes and Colors. Tu ne veux pas en faire un pour l'exposition René Dimanche à Beaubourg? Pourquoi? Écoute, je te dirai, appelle-moi demain matin entre 8h et 8h30, précise. Matinale? Oui, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Appelle-moi. J'aperçois Madame Mosca. Tu vas avec les fuseaux horaires, pour un chinois, je me lève tôt. C'est mal. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est le plaisir de me voir? Ou vous avez un revolver dans la poche? Je comprends très mal le français. Excusez-moi. Je cherche la maison verte. Ce n'est pas le jour. Non. By the way, être polyglotte n'est pas seulement un devoir, mais la moindre politesse à notre époque. Mon grand-père était polyglotte. D'autre part, je suis qui pour questo. Salut, salut. Bonjour, madame. Bonjour. Mais je vous connais, vous. Tu es venue sans mamie Chouibi. Elle est chez Henri. Pour fêter sa sortie de l'hôpital. Alors moi... Je n'ai pas trouvé de coquille. Pour le moment. Tu peux en avoir un? Oui.
C'est vous qui m'avez appelé hier de Beaubourg. Oui. Ça s'est bien passé, votre voyage à Berlin? Oui. J'ai trouvé un Dali sublime qui n'était pas à Beaubourg. Je peux donc compter sur la fauvette en été pour Beaubourg. Beaubourg. Pour que ça devienne un René Dimanche parmi d'autres. Vous semblez le regretter. Le tableau? Non. Vous n'avez pas assez vécu pour savoir ce que c'est renoncer à quelqu'un qui a toute la générosité de la vie. Mais René Dimanche n'aime et n'aimera jamais que la peinture. Sa vie n'a jamais été pure vie. Il a d'ailleurs toujours méprisé la vie. La sienne comme celle des autres. Aujourd'hui, ces tableaux me font du mal. Mais je fais mon métier. La maison verte est ouverte au chef-d'œuvre. La mission de Beaubourg est justement... Chacun sa mission, mademoiselle. Moi, je vends et j'achète. Encore? Mais c'est le plaisir de me voir. Ou vous avez un revolver de la poche? Le dé, madame. Ah, bon, passez me voir lundi à l'atelier. Chère madame, bonjour. Je vous présente mon frère. Hello. Et ma belle-sœur. Hello. Madame, je dois la vérité de dire que je me rends souvent dans votre galerie. Merci beaucoup. Mais notre Ingrid, elle est où? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un retard ou si c'est un oubli. Vous voulez boire quelque chose? J'ai. Vous n'auriez pas vu une dame légèrement rousse, un peu entre deux âges? Il y a Madame Anska. Elle n'est pas rousse. C'est une personne qui travaille chez Madame... Anska? Madame Anska, c'est la dame de la galerie, elle est là-bas. La personne que je cherche se prénomme Ingrid. Vous pouvez demander à Madame Anska. Restez à votre place, je vais vous confier une mission. Il y a trop de gens qui me connaissent ici, je ne peux pas rester. Voilà, vous allez voir Ingrid. Ingrid comment? Vous allez voir Ingrid. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Jeanne d'Arc est allée reconnaître le roi de France à Chinon. Elle ne s'est pas dirigée vers le pantin qu'on avait mis sur le trône. D'ailleurs, au dire de Georges Bernard Shaw, n'était autre que Gilles de Rémé-Passon. Ingrid va venir. Vous lui direz que le blockhaus, que Saint-Rouve... Comme le colonel. C'est moi. Vous lui direz que Saint-Rouve l'attend et que l'appartement, lui, n'a pas changé. Vous n'oublierez pas. Vous pouvez compter sur moi. Et si elle ne vient pas? C'est que l'aura eu un pressentiment, mais je ne peux pas aller plus loin. Merci, monsieur. Et que Dieu vous protège. Merci, monsieur. Il faut appeler quelqu'un pour réparer l'œil électronique. Rappelle-le-moi. Je ne le garantis pas. Moi non plus. Alors, on m'a vu. Je vais dormir. Ou essayer. Ouh, les gens commencent à arriver. Va me représenter. Ferme, fais-t'en. Alors, Isabelle, Dominique. Sophie... Oh, je trouve qu'Ingrid... Non, je trouve pas. Bon, je vous laisse. Je crois que le temps va changer. Je crois que ce sont des cumulonimbus qui défilent. Ce sont des nimbus, tout simplement. Et vous comptez aller à New York? Pas pour le moment. J'ai en vue deux, trois petits voyages en Europe.